Méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense ? Shocking 15. L'homme qui avait des pouvoirs. Poursuivant mon méta-tour, je me suis rendue chez un personnage haut en couleur. Un homme qui a subi la folie de l'endoctrinement religieux au quotidien. Je vous parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Mais qui a aussi joué avec la manipulation mentale de l'autre côté du manche. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Jean Champenois, magicien de talent qui, j'en suis sûre, vous tiendra en haleine tout au long de cette émission en deux volets. Chapitre 1. Une éducation belge. Bonjour Jean. Bonjour Elisabeth. Pour commencer, puisque vous avez une vie de 80 ans derrière vous. Plus, enfin. Plus ? Oh oui, beaucoup plus, 85 bien fait. Ah d'accord, 85 ans. Ah, oui, bien fait, je vais sur mes 86, c'est dingue. Alors comment elle a commencé cette vie ? Racontez-nous, vous êtes né en quelle année ? Je suis né en 1934. Vous êtes né dans une famille Nombreuse, nous étions 5. Une famille nombreuse, parce qu'à mon époque, c'était pas l'époque de maintenant, c'est une époque incroyable. À ce moment-là, les femmes ne travaillaient absolument pas à l'extérieur et devaient avoir beaucoup d'enfants. Mmh. C'était le rôle de la femme. Alors, les familles étaient très souvent nombreuses. D'ailleurs, ma mère était d'une famille de 12 enfants. Mmh. Mmh. Voyez-vous ? Et j'ai quand même été très, très heureux, incontestablement. Donc c'était une famille modeste, une famille de quel... Mon père était commerçant, il avait un commerce de radio, d'électricité. Et il savait bien nourrir sa famille, je sais bien qu'il travaillait beaucoup, mais ça allait très bien, on n'a manqué de rien, mm-hmm. absolument rien. Mais on était pendant la guerre, étant né en 34, j'habitais Virton, donc au bout de la Gaume. Et en 38, on a évacué, mon père pressentait ça, et c'est le seul... avoir une voiture avant 1940. Mmh. Il n'y a personne. Mmh. Évidemment, les routes n'étaient pas si belles hein, que maintenant. Ouais. Il avait fabriqué lui-même une remorque parce qu'il savait qu'il allait évacuer. Mmh. Et effectivement, je me rappelle très bien, c'était en 1939, le frère de ma mère a dit « Les Allemands sont là ». Et comme ils avaient très peur, des Allemands, très peur, parce qu'il faut voir ce qui s'est passé en 14-18. Mmh. En 14-18, c'était bien pire que 40-45. C'était pire dans les camps de concentration, d'accord, mais en 14-18, ils tuaient les civils. Mmh. Et ma mère a perdu tous ses oncles et ses tantes qui ont tous été tués. Si vous vous souvenez, on a encore parlé dernièrement de Haite, le petit village près de Virton, qui avait été complètement anéanti. Des gosses de 3 ans avaient été avec une baïonnette accrochés au mur. Mmh. Ils avaient beaucoup, beaucoup souffert. D'ailleurs, on fait encore maintenant, alors que c'est le 14-18, on fait toujours des commémorations. Et alors, comme ils avaient très peur, mon père tout de suite est parti avec nous. On est filé et on a traversé toute la Belgique, parce que Virton, c'était au bout de la Belgique, pour arriver à La Panne, pour aller en Angleterre. Mon père voulait... Oui, en Angleterre. Et alors, j'avais 6 ans, mais je me rappelle très bien de tout ça. 6 mmh. ans, c'est important. C'est pas 2 ans, donc je me rappelle très bien. Là, à La Panne, des gens nous ont acceptés parce que c'était de l'évacuation. Comme ici, on a maintenant les gens qui viennent de Syrie, tout ça. Mais les gens acceptaient de prendre tous ceux qui évacuaient. Il y en avait plein, il y a des milliers et des milliers. Et alors, on était chez des gens à La Panne, et mon père allait voir tous les jours pour avoir un bateau. Pour aller. Mmh. Il n'en a pas trouvé. Ah bon ? Il n'en a pas trouvé. On est resté 5-6 jours, il allait tous les jours. Et un beau jour au matin, on s'est réveillé, les Allemands étaient là. Je vois encore mon père discuter avec ma mère, il dit que les Allemands sont là. On va retourner à Virton. Mm. Et on est retourné à Virton. On a passé sous la peur des Allemands. Hein. Et je me rappelle encore rentrer à Virton en 1939-40. On rentre. Mon père était en commerce, il y avait plein de trucs. Et alors, il y avait des papiers et des trucs jusque-là, plus d'un mètre. J'avais été volé de part en part. Et on rentre là-dedans, et mon père et ma mère ont tout remis en ordre, et on est resté là, alors après, tout le temps. C'est-à-dire, votre maison avait été visitée par les Allemands en votre absence ? Oui, ah oui, hein, puisqu'on avait bien fermé à clé, mais ça n'a servi à rien, par les Allemands et aussi par les civils. Hein, parce que quand on est rentré brusquement,
Mon père est rentré dans la maison, il y avait un civil qui fouillait encore dans tout. Donc un Belge, en fait. Un Belge, oui. Mm-hmm. Donc on était là, j'étais très content, moi, d'être revenu. Très. Et alors, j'avais vraiment une protection de la part de mon père et de ma mère très forte. Et la guerre a été de 6 ans à 10, 11 ans. J'ai fait l'école primaire. Mais à cette époque-là, les résistants étaient dans les bois. Ils faisaient de temps en temps des entrées comme ça chez les cultivateurs. Ils avaient besoin d'argent et ils prenaient le jambon, je dis, tout ce qu'ils avaient, l'argent et tout. Et les Allemands intervenaient très souvent. Et ils en avaient attrapé 3. Dans la forêt, parce qu'ils se cachaient dans la forêt. Mmh. Et ces 3-là, ils les ont fusillés. Mmh. J'ai vu le bazar, quelle histoire. Vous étiez très jeune, ça a dû vous marquer. Ah ben oui, j'avais quoi, 7-8 ans. Mmh. Pour moi, c'est très jeune. Mmh. Est-ce que vous avez des choses à raconter sur les SS? Est-ce que vous avez remarqué des choses particulières sur... Oui, les SS sont des brutes. Les Allemands, les soldats allemands qui étaient là, c'était pas la même chose. Mais les SS faisaient partie de la garde rapprochée de Himmler. C'était des brutes, oui, mais c'est pire que des brutes. Ils prenaient un chat, ils cassaient les gens par amusement. Ah oui, c'était vraiment des brutes. Ouais. Les soldats allemands n'étaient pas du tout pareils. Oui, mais je crois que les SS, en fait, avaient vécu un endoctrinement depuis des années au sein d'une sorte d'église, en fait, une sorte de secte. Et on leur apprenait, d'ailleurs, à tuer des animaux, à les faire souffrir. Ouais. On leur apprenait ça. Pour qu'ils soient forts devant la douleur. Et vis-à-vis de la population, du coup, ça se manifestait comment? La population leur en voulait. Ils le sentaient, ils le savaient que la SS était plus crapuleux. Ils savaient ça. Il faut bien dire que les camps de concentration où on brûlait les Juifs étaient quand même tenus par la SS. Mmh. Tu vois? Comment est-ce qu'on... Mais vous, dans votre vie quotidienne, les civils, ils avaient affaire aux SS ou pas au quotidien? Ah oui, s'il y avait un problème, oui, hein. Par exemple, je me souviens, l'armée blanche, comme on dit, la résistance, ils arrêtent une voiture allemande dans laquelle il y avait 2 colonels SS et un gosse. Ils ne tuent pas le gosse, ils tuent les colonels, carrément tués comme ça. Mmh. Les gosses retournent et disent ce qu'il a vu, ils laissent retourner le gosse au lieu de le prendre. Mmh. Ils sont revenus, ils ont tué tous les gens de Gérouville, dans Patelin, et ils ont incendié toute la ville de Gérouville. Gérouville a été incendié par des avions qui sont venus, qui ont flanqué les flammes dessus, ils ont tué tout le monde. Donc il y a un village qui a payé ça. Pour l'assassinat de deux militaires SS. On en a tous voulu quand même, aux résistants, d'avoir tué 2 SS, à quoi que ça sert. Ouais. Et d'avoir surtout laissé aller le gosse. Oui. Parce qu'on en a eu chez nous des soldats allemands qui réquisitionnaient les maisons. Dans votre maison? Ah oui. C'était pas des SS, ils étaient quand même mieux. Les SS ont trouillé, on a eu la trouille de ces gens-là. Parce qu'on connaissait les camps de concentration. Hein. Ah bon? Ah oui, Pendant la guerre? Oui, on savait en 40-45 qu'il y avait des camps où on mettait les Juifs dedans et qu'ils les tuaient dans ces camps-là. On savait ça. Mon père avait une trouille, une fausse bête de... Les SS et ma mère aussi, c'est normal. On avait tous peur. Et puis alors quand les Américains sont arrivés, on les a félicités. Et puis les Allemands ont fait une offensive, ils ont repris le Patelin. Quelle histoire. La fameuse offensive von Rundstedt pendant la guerre des Ardennes. En 1944, les Américains sont arrivés, ils ont libéré. Mais Hitler a renvoyé une armée, ce qui lui restait, pour faire une offensive, pour reprendre tout ça. Et ils ont repris des villages. Pas Virton, hein, mais tous ceux qui étaient alentour, ils ont été repris. Ah ben vous avez dû avoir sacrément peur. Ah oui, on a eu peur. Parce qu'il y en a qui ont été tués. Hein. Les Allemands sont entrés, les SS, quand ils ont vu les drapeaux américains. Ils ont tué des choses. Oui. Et alors, juste après la guerre, Virton venait d'être délivré par les Américains. On a dit, Virton est délivré, on est sorti. Cette grande route, c'était sur une avenue. Mais ce qui m'a le plus étonné, et ça encore maintenant, c'est que moi, je croyais que les Américains étaient des Blancs. Ah, des Blancs, oui, tous des Noirs. Oui. On n'avait jamais vu de Noirs. Tous des Noirs. Alors, il y avait sans doute des Blancs. Hein. Je me dis, ça, c'est quand même formidable. Et alors, ils sont arrivés, ça a été la grande fiesta. Et ce qui m'a le plus scandalisé, c'est les gens aussi. Les gens, une fois qu'on a été délivrés, en 1944, il y avait des femmes qui, pour gagner sans doute leur vie, essayaient de vivre, avaient été avec des Allemands, comme ça.
Et j'ai assisté à ça, très fort. Et alors, ils les ont été chez eux, ils les ont véritablement lynchés. Mmh. Alors on parle des Allemands, mais c'est la même chose. Mmh. Et je me souviens de braves gens, moi, de braves gens. C'est vrai que le père avait donné du matériel aux Allemands, enfin les Allemands qu'il achetait chez lui, il avait livré du matériel, et ils ont lynché les femmes. Jamais vu ça. C'est incroyable. Et c'est partout la même chose, même en France, j'ai appris. Oui, en France, il y a eu beaucoup de femmes tondues. Ouais, donc pendant des mois et des mois, elles étaient stigmatisées. Mais tondues, si c'était tondues, c'est rien. Mmh. Tondues, c'est pas grand-chose. Oui, j'imagine qu'il y a eu bien d'autres choses, ouais. C'est sûr. Hein, qui sont mortes. Et je vois encore qu'il a liquidé ces femmes, je les sais, ils sont morts. Mmh. Enfin, oui, après, j'imagine qu'il y a eu des vengeances personnelles qui n'avaient absolument rien à voir, qui sont passées... C'était tous des gens que je connaissais avec très le reste. Bien, qui n'avaient aucune éducation. Aucune des sadiques, quoi. Mmh. Aucune. Oui, c'était fou. Et finalement, est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec le recul, que cette enfance, quand même très marquée par la guerre, c'est quelque chose qui vous est resté, qui a influencé votre mode de vie ? Non. Non, ça ne m'a pas influencé, parce que ce qui m'a plus influencé, c'est ce que je vous expliquerai après. Non, parce que j'avais toujours mes parents qui étaient près de moi et qui m'aidaient. Mmh. Et ma mère, qui est une sainte, comme je vous ai dit, extraordinaire. Elle était très dévouée à sa famille, à ses enfants. Ah oui, à ses enfants. Ses enfants, c'était tout. Mmh. Et elle a tout fait pour nous, tout. Et on regrette toujours de ne pas avoir fait assez. Hein? Et mon père lui-même a tout fait pour nous aussi, je dois dire. Il était très catho, évidemment. Mais il a tout fait pour nous, donc... Je n'ai pas souffert tellement de la guerre. Certes, j'ai vu des histoires affreuses, j'en ai souvenu. D'ailleurs, j'ai plus été marqué par le lynchage des femmes que par les fusillades. Beaucoup plus marqué. Bon, c'est sadique, je vois encore qui c'est. Je me souviens très bien d'eux. Mais c'était comme ça, une époque. L'ambiance n'était pas comme maintenant, après la révolution de mai 68. Pour moi, c'était ça le changement. On ne soupçonnera jamais comment on est élevé. Jamais, c'est une chose. Alors racontez-nous justement, quelle éducation vous avez reçue à l'époque ? Oui, tout était catholique, tout. Les écoles étaient catholiques, les patronages étaient catholiques, les cinémas catholiques. Ah oui ? Ah oui, tout était catholique. Le cinéma Patria qui est toujours là, c'était le cinéma catholique. Tout était catholique, on n'avait le choix de rien. Je vais dire quelque chose de rigolo, mais les WC étaient catholiques. C'est marrant. Comment ça ? Il y avait un crucifix dans les toilettes ? Oui, puis on savait que c'était celui-là qu'il fallait aller. Et on ne pouvait pas aller autre part. Hein. Et je reparle de ça avec des amis qui ont mon âge encore, qui vivent encore. Eh bien, c'est fou. Parce que tout était vraiment catholique, mais on n'avait pas le droit de fréquenter les non-catholiques. C'est ça le problème. On n'avait absolument pas le droit. Et moi, j'ai souffert de ça beaucoup. Vous alliez dans les églises, l'église était remplie, remplie. Vous allez maintenant et plus personne. Oui, mais il faut dire que la Belgique a un fonctionnement de neutralité. Enfin, l'État belge annonce une neutralité vis-à-vis des religions qui consiste en réalité à accepter et même à subventionner encore aujourd'hui les activités religieuses, les enseignants, etc., etc. Donc c'est vrai que effectivement, comparé à la France d'où je viens, certainement que la Belgique d'avant-guerre était particulièrement religieuse. Particulièrement. Par exemple, on devait aller à la messe, à la messe tous les jours, au VEP le dimanche, à plus de la messe, le VEP et le salut. Mais on avait un doyen scandaleux, c'est ce doyen-là qui, moi, je ne peux l'admettre, du haut de la chair dite, je dis bien dite de vérité, parce qu'on disait que la chair était de vérité, là où il parlait, était rempli dans l'église. Et avant la rentrée, au mois d'août, il regardait les gens et j'ai entendu pas une fois, mais plusieurs fois, si vous mettez vos enfants à l'Athénée, vous commettez un péché mortel, vous allez en enfer toute l'éternité. Qu'est-ce que vous voulez que ça donne ? L'Athénée, c'était l'école publique, l'école de l'État. Il y en avait peu qui y allaient, peu, mais il y en avait. Ça veut dire qu'il y avait une pression sociale dans la ville Pour où vous habitiez. Pas aller là-bas. Et vos parents étaient croyants Ma mère, c'était une brave femme, je dirais toujours. Pour employer un terme catholique, c'était une sainte. Et heureusement qu'on l'a eu. Mon père, pas, hein, ça je dis franchement, non. J'étais dans un sectarisme au point de vue religieux effrayant.
Enfin, et alors... Très catholique, lui, justement. Oui, très catholique. Traditionnaliste. Ah oui, traditionnaliste à fond. Mmh. Et ça m'a fait souffrir beaucoup. Mais tout le monde était comme ça. Les enfants n'avaient aucune liberté. Les parents, même à 18 ans, quand ils recevaient les lettres qu'on vous adressait, ils les prenaient, ils ouvraient la lettre à la vapeur. Ils ouvraient ça. Ah oui. Ils enlevaient la lettre. S'il y avait un petit truc, si c'était une fille qui me demandait d'aller, parce que j'en ai eu, évidemment, ils jetaient la lettre et quand il n'y avait rien de compromettant, ils la refermaient à la colle et ils nous la donnaient 3 jours après. Comment vous en êtes aperçu de ça ? Oh, je le voyais. Je le voyais ça tellement. Moi, j'étais un garçon très fort chez moi. Les autres, le curé était toujours... Oui, j'étais curé, moi. Vous aviez un frère curé ? Oui, oui. La catastrophe. Et il était en paroisse et tout ça. Mon deuxième frère, lui, il était sportif, il allait autre part. Ma sœur était la troisième. Alors moi, j'étais quatrième. Et l'autre, cinquième, mais qui n'a rien vu de tout ça parce qu'il arrivait après. Et j'avais mis un peu les choses un petit peu au point. Vous l'avez un peu protégé de, de cette situation. Absolument. De ce mode d'éducation. Ouais. Et il y a encore des femmes de mon âge qui m'en ont parlé, qui avaient des frères curés et qui faisaient exactement comme dans toutes les familles de curés. Ils allaient dans leur chambre et ils leur prenaient tout. Alors on cherchait après, on ne savait pas où, ils ne disaient pas que c'était lui, ils les jetaient. Parce que ils jetaient tout ce qui n'était pas en accord avec en ce que l'Église demandait. Oui. Mais pas grand-chose. Ils faisaient la censure dans la maison, quoi. Oui. Par exemple, quoi, un canif, vous avez déjà vu les canifs suisses rouges, rien oui, du tout, ben ça ils prenaient parce que je pouvais me couper, etc. Tu vois. Enfin, et le doyen, ce doyen-là qui s'appelait Nicolas, d'ailleurs, qui est en horreur actuellement à Virton, ah, ne me parle plus de ce type-là, ne me parle plus. Parce qu'ici, c'est pas comme en France, il y avait le Parti libéral, le PSC, ça veut dire le Parti chrétien, et le Parti socialiste. Et c'est toujours ce même doyen, avant les élections, il nous regardait, si vous ne votez pas PSC, vous allez en enfer toute l'éternité. Mais incroyable. Hein. Incroyable. Mmh. Donc finalement, vous avez vécu dans un environnement extrêmement croyant, chrétien. Chrétien. Ça pouvait être bon, c'est vous, j'ai connu des bons chrétiens au scout, ils étaient chrétiens aussi, mais c'était valable. C'est parce qu'il y en avait quelques-uns scandaleux, mais d'un scandale inimaginable. Je me rappelle, j'avais été avec mon frère, par exemple, curé, séminariste, j'avais été chez ce doyen-là, débile. Hein. Oui. J'avais 15 ans, 16 ans, lui était jeune prêtre, et je me rappelle, je l'ai très bien entendu, ce prêtre-là disait, voilà, vous avez chez les gens, vous voyez quelque chose qui n'est pas religieux, un livre par exemple, vous pouvez le voler. Vous pouvez le voler. Et alors, si on vous demande si c'est vous, vous mentez. Ouais. Tout est bon, tout est bon. Tout est bon. Et ensuite, vous détruisez pour ne pas les rendre. Il a fait ça avec nous. Catastrophe. Il a fait ça avec nous. Et vous disiez que ça vous avait complètement limité, en fait. Ah dans oui, votre... ça m'a limité. Moi, ça. De m'avoir empêché d'avoir accès à la culture française au moment où je devais l'avoir. Maintenant, j'ai accès, évidemment, mais c'est trop tard. C'est à 13, 14, 15 ans. J'ai été limité, oui. Donc ça a contribué à un conditionnement, vraiment, de votre part. Vous n'aviez qu'une seule voie qui était proposée, qui était possible. Une voie sectaire. C'est fou, mais dans l'histoire des Ardennes et de la Gaume, on voit dans l'histoire qu'il y avait beaucoup de gens comme ça. Beaucoup, beaucoup de curés qui étaient comme ça. Vous devriez lire le book de Neufchâteau. C'est un livre assez important. C'est effrayant. À ce quoi ils en arrivent, le sectarisme religieux de l'époque. C'est effrayant. Alors, on m'a déjà dit un copain qui dit, ta mère n'intervenait pas, mais si, je dis, ma mère, elle a fait tout ce qu'elle pouvait, et même plus que ce qu'elle pouvait. Mais, c'est pas évident. Enfin, c'est ça. Elle n'était pas en position non plus de décider et d'imposer des choses. Ouais, non. Par exemple, après la guerre, les femmes ont commencé à pouvoir avoir le droit de vote. J'avais été à l'hôtel de ville, là où il y avait des gens. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un Carmel, ici à Virton. D'accord. Il y avait un Carmel avec beaucoup de femmes. Maintenant, au Carmel, depuis des années, il n'y a plus de femmes, plus rien du tout. Hein. Mais il y avait là beaucoup de femmes. Et alors, comme vous diriez, 60 femmes, je ne sais pas dire le nom, mais beaucoup, arrivent pour voter. Vous auriez dû voir
les gens qui étaient là, parce que c'était un milieu laïque, ils l'insultaient, ils lançaient de tout sur cette femme-là. Crapule, qu'est-ce que vous venez faire ici? Foutez le camp, etc. La pire chose sur les carmélites. Ouais, donc en fait, il y avait vraiment des réactions très excessives, et du côté des croyants, des prêtres, et du côté des athées. Les non-croyants, c'était la même chose. Mais j'ai toujours cru que les non-croyants ont réagi comme ça tellement qu'on les a embêtés, quoi. C'est tout, comme tout était sectaire, c'est normal qu'ils réagissent. Il y a une oppression psychique comme ça, permanente. Oui, Elisabeth. Et alors, après la guerre, est arrivé quelque chose d'extraordinaire dans votre famille. Oui, après la guerre. Puisque vos parents étaient donc croyants. Oui, ma mère était croyante parce que, comme tout le monde, toutes les femmes étaient croyantes, et les hommes aussi, ils n'ont pas le choix. J'avais 13 ans, je me souviens, j'étais en deuxième latine, j'avais fait mes latins grecs. J'étais en deuxième latine et j'entends qu'on disait qu'il y avait des apparitions de la Vierge à Kehl, au Grand-Duché de Luxembourg. Alors je reviens près de mon père, tu sais qu'il y a des apparitions, on n'irait pas voir, il faut être cinglé de dire ça à mon père. Alors mon père dit oui, et on y a été, mais c'était tout ça, tout le drame qu'il y a eu dans ma vie, c'était un drame énorme. Mais on y a été à Kehl. Et alors là, il y a apparu des milliers de personnes, j'ai jamais vu un monde comme ça. Et on était derrière, et moi je suis passé outre, mon père me suivait, je voulais voir ce qu'il y avait devant. Et puis en passant outre, je suis arrivé près des voyants. Et puis à un moment donné, Elles étaient comment, les voyantes? Comme ça, les mains bien jointes, et regardant vers le ciel, vers un endroit précis, comme si elles voyaient donc la Vierge, très fort. C'était quoi, deux enfants? Deux enfants, une fille et un garçon. La fille que j'ai revue, il n'y a pas encore si longtemps que ça. D'accord. Après la voyance, la fille dit à sa mère est à côté, « Comment va-t-on retourner ?» Ah, la voiture est repartie. Et malheureusement, c'est moi la faute, je dis, si vous voulez, on va vous ramener. Ah oui, d'accord. Alors j'ai ramené la voyance. Chez elle, ils habitaient à Aïch. Ce fut ce qui fut fatal. Pourquoi? Parce que cette fille est retombée en voyance, comme ça. Et puis après la voyance, elle a dit que la Vierge lui avait dit de continuer, si M. Champenois Avirton, de continuer ses apparitions. Mon père, très content. Oui, donc elle était luxembourgeoise, c'est ça? Ah oui, elle est toujours luxembourgeoise. Et donc elle a décidé, enfin en tout cas elle a eu un message de la Vierge disant qu'il fallait venir chez vous pour poursuivre donc en Belgique. Exactement. Les apparitions. Alors elle est venue chez nous. Inutile de vous dire que ça a été un bazar. D'abord, elle voyait régulièrement, à la plus grande joie de mon père et à la plus grande tristesse de ma mère. Ah bon? Ah oui, ma mère était très triste, je n'ai pas réalisé. Pourquoi ma mère, ce qu'elle voulait, la tranquillité. Elle voulait être bien avec les enfants, mais elle ne voulait pas cette fille qui vient de mettre la pagaille. Enfin, elle n'y était pour rien, la fille était brave, mais le... Puis 3-4 jours, même pas, je ne sais pas du combien de jours après, est arrivé au magasin un grand garçon, fin d'humanité, 19 ans, luxembourgeois, qui est venu dire que la Vierge lui était apparue et lui avait dit de venir chez M. Champenois. Lui aussi. Bah dis donc, vous êtes une famille qui attire les apparitions. Absolument. C'est tout à fait étrange, cette histoire-là. C'est une histoire de dingue. Si vous voulez, je peux vous envoyer chez la fille qui est venue chez nous. Vous pouvez, vous iriez. Elle vous recevra, mais son mot sera différent du mien. Quoi. Bien sûr. L'homme est mort, le grand est mort. Mais elle vit toujours, une famille très gentille. C'est pour ça que j'aimais bien d'aller chez eux, parce que c'était une famille très gentille. Mais la fille, vous voyez, une Vierge, comme la Vierge de Lourdes, avec une robe, belle robe. Mais pourquoi ça a marqué ma vie? D'abord, ça a duré trop longtemps chez nous, longtemps. Combien de temps? Je dirais au moins 6 mois, certainement. Donc pendant 6 mois, elle habitait chez vous? Oui. Et le jeune homme aussi? Elle retournait, après les vacances, elle retournait, puis elle revenait. Enfin. Et alors, elle voyait, elle donnait des messages habituels. Je suis la Vierge Immaculée, des conneries comme ça. Ça sera peut-être dedans. Ne couperai pas. Quand elle voyait dans le jardin, il faisait toujours bon. Mais c'est l'homme, le grand garçon, 19 ans, j'estime, qui avait des histoires de dingue. Et ça m'a frappé. Ça m'a tourmenté.
Et ça m'a poussé à aller voir un peu dans les spiritismes, des histoires comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé, comme ça. Alors, juste par rapport à la fille qui avait des visions, elle avait à peu près votre âge, c'est ça ? Exactement, elle avait 13 mon âge. Ans. Mon âge. Comment ça se manifestait ? Déjà, est-ce qu'il y avait des gens qui venaient voir ces apparitions chez vous ? Ah non. Vous aviez très une foule ? Peu. Non ? Ma mère ne voulait pas. D'accord. Elle ne voulait pas, mais on en avait quand même. On avait un curé, qui venait, deux curés. Si vous voulez, on était donc à regarder les apparitions 6-7, plus 4 personnes ou 5 D'accord. personnes. Mais parce qu'elle avertissait qu'elle allait avoir une vision ? Non, elle ne l'avertissait pas, mais elle jouait avec nous, elle jouait, puis elle disait « Oh, je sens quelque chose ». Elle disait « Oui », elle avertissait, mais tout de suite, elle n'avertissait pas qu'elle en aurait demain. Ouais, d'accord. Elle avertissait « Oh, je vais avoir quelque chose, je vais avoir une apparition, mmh. Oh, je sens ça ». Et puis, 5 minutes après, elle devait aller au jardin où elle voyait chez nous, dans l'arbre qui était là, mmh. Elle voyait des visions. Elle se mettait à genoux, elle oui, pleurait, c'est ça. Elle qu'est-ce était là, qui se passait ? Elle disait que ça allait venir, et puis elle arrivait au jardin, tombait à genoux, elle était comme ça. Mais vraiment, on aurait dit qu'elle voyait quelque chose. Hein. D'accord. Ça, c'est clair. Elle était comme ça. Et elle regardait et elle priait. Et quand vous regardiez son visage, on avait l'impression qu'elle parlait, parce qu'elle faisait ça. Elle bougeait des lèvres. Oui. On avait l'impression qu'elle parlait très fort. Et alors après, quand elle se réveillait, elle nous disait que la Vierge lui avait dit « Je suis la Vierge Immaculée ». Je me rappelle de ça. Tout, en fait, les choses qu'on disait à cette époque-là. Comme quoi, par exemple ? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas forcément. Ah oui. On disait, je suis la Vierge Immaculée. Je suis née sans tache, quoi. Mmh. Je suis la Reine des Cieux, tous des trucs comme ça. C'était des histoires qu'on disait à cette époque-là. Mais la Vierge Immaculée, ça, je l'ai entendu. Elle ne donnait pas de message, de prédiction. Elle n'a jamais donné de message. Mmh. D'accord. Jamais. Si elle disait peut-être qu'il y aura un grand malheur plus tard, l'humanité sera frappée plus tard, il y aura un grand malheur, elle en parlait un peu. Ouais. C'est très intéressant parce qu'il n'y a que 15 lieux d'apparition mariale qui sont reconnus par le Vatican. Oui. Et donc il y en a peu, oui. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des périodes historiques, il y a des périodes, des vagues d'apparition mariale. Ouais. Et alors, la plupart des apparitions mariales, entre le 17e et le 19e, elles ont surtout eu lieu en France, et notamment à Lourdes. Donc, ça. Voilà. Mais après, au début du 20e siècle, il y a eu Fatima donc, au Portugal ouais. en 1917, et ensuite il y a eu 2 apparitions en Belgique. Bourin voilà. et Banneux. Exactement, donc en 1932 et en 1933. Bourin et Banneux. Et j'ai été souvent à Bourin avec mon père qui était porté à ça, avant même qu'il y ait les apparitions chez nous qui soient venues. Il y avait toujours un peu après le 15 août, la grande journée mariale. Je vous assure, c'était pendant la guerre. Hein. J'y allais avec mon père. Il y avait un monde extraordinaire. Oui. Un monde bête, mais c'est fou. Il fallait voir, on était l'un sur l'autre, mais dans les rues, hein, jusque très loin. On ne savait pas parquer, d'ailleurs nous on parquait je ne sais où. Il y avait un monde fantastique. C'est là que j'ai vu aussi des gens complètement cinglés. Vous aviez surtout des femmes et des hommes aussi, qui, de très loin... Hein, elles marchaient sur leurs genoux pour arriver à l'endroit des visions. En procession. En procession. Et en pénitence. Oui. Mm. Mais je sais que les gens étaient en sang. Oui. En sang. Mais oui. Mais c'est ce qu'il faut. Il faut payer ses péchés. Oui. Mm. Et petit, hein, là, j'étais quand même petit. Là, oui, c'était pendant la guerre. Petit, tu vois, je réalisais déjà que les gens étaient cinglés. Non, c'est vrai. Il faut être cinglé, se mutiler comme ça. Oui. Et ça se fait toujours. Ça se fait toujours. Oui. Ça se fait toujours, mais il y a peu de monde. Hein. Oui, il y a peu de monde, mais ce genre de procession à genoux se fait toujours, par exemple, au pèlerinage de Chartres, tous les ans, en France. Ah oui, ça se fait toujours. Il y a des toujours. Gens qui font ça. Oui. Alors, est-ce qu'ils le font jusqu'à avoir les genoux en sang ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils le font. Ah oui, sans doute. Mm. Vous ne savez pas marcher sur le sol nu sans être en sang. Oui. Et moi, je les voyais en sang, mais je dis, ils sont cinglés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mm. Et ils arrivaient en sang, malheureux. Mm. Enfin, je ne comprenais pas. C'est là que j'ai vu la première fois ce que c'était la bêtise humaine. Je me suis représenté ça à l'âge de 6-7 ans.
et 8 ans et 9 ans, comme il allait chaque fois, ce que c'était la bêtise humaine, se mutiler, et je suis sûr qu'il se faisait très mal, oui. Qu'il fallait un an pour enlever ça, en tout le cas beaucoup de temps pour enlever ses blessures pleines de sang. Mais en tout cas, le point commun de toutes ces apparitions, enfin la plupart en tout cas, des apparitions reconnues par le Vatican, c'est que c'est des jeunes, des enfants, absolument. Qui à chaque fois ont des visions, donc que ce soit Fatima, Lourdes, ou les apparitions qui ont eu lieu aussi des en Belgique. Et par exemple, c'était intéressant pour moi de voir que celle de Banneux, donc en 1933 en Belgique, c'était une petite fille de 11 ans qui s'appelait Mariette et qui a vu une vierge qui lui est apparue et qui disait être la vierge des pauvres. Et cette apparition se passait dans un jardin. Donc comme chez vous, c'était comme dans un jardin également. Et aussi, ces enfants se mettent à genoux de manière automatiquement. Voilà. Ils tombent au moment où ils ont la vision. Ouais. Le garçon, là, lui, il tombait à genoux avec force parce que il avait absolument besoin d'aller dans le jardin pour avoir une apparition. Il tombait dans la cour avec fracas. Je me demande comment il faisait mal. Ouais. Et il voyait. Je le voyais voir comme ça. C'était vraiment étonnant. Mais il a fait des choses incroyables. Des choses inimaginables. Il tombait à genoux. Ouais. Et à un moment donné, quand il voyait très bien. Il était dans ce moment épanoui, donc très bon. Mmh. Et il voyait une vierge, mais c'est une vierge sympathique puisqu'il avait le visage sympathique. Et puis, il transpirait très fort. On aurait dit un petit malin. Et puis, à un moment donné, tout en étant gelé, il se renvoyait comme ça, à l'envers. Son corps était projeté. Projeté. Étonnant, hein. Ah oui. Parce qu'on ne saurait pas faire ça, normalement. Mais alors, il était projeté en arrière par quoi? Il expliquait ce qui lui arrivait ou... On lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ça n'a pas été, c'était une vision très douloureuse. Qu'est-ce que tu as eu? Alors il disait qu'il voyait la Vierge et qu'à un moment donné, la Vierge changeait, elle devenait différente, laide, et pour lui, c'était le diable. Ah. Le diable prenait la forme de la Vierge et lui parlait au diable. Il disait, vous, le diable, laissez-moi tranquille, c'est à peu près ça, hein, les paroles exactes. Laissez-moi tranquille. Et le diable venait avec son poing, lui flanquait un poing et le renvoyait. C'est fou, hein, ça, quand même, comme ça. C'est fou. Alors, Était agressé physiquement par le diable. Physiquement par le diable. Et comme on était dans le jardin, il faisait très bon. À un moment donné, ça c'était un comble, on était quoi, 7, 8, 9, 10, c'était de 6 à 10 quoi, hein, ça dépend si les curés qui étaient là, ça. Et alors à un moment donné, on a senti très fort un parfum d'encens d'église. Oui. Et le parfum est très typique hein, quand vous êtes au trépied. Oui. Et on a senti un parfum d'encens d'église. On a été tous à se regarder, c'était très fort. Et alors, quand l'opération a été finie, on lui a demandé qu'est-ce que c'était. C'était les anges qui sont venus encenser la Vierge. Ah ouais, pas mal. Pas mal, hein. Ouais. Elle a fait des trucs. Ça a changé ma vie d'une certaine façon. C'est de là qu'est parti tout mon esprit sceptique. D'accord. Tout de là. Je vais vous dire quoi. Un enfant de 13 ans pénètre partout. Il va partout. Oui. Et j'ai vu, parce qu'il logeait chez nous, il a logé longtemps, lui. Il a logé des mois et des mois, je ne sais pas dire combien. Il était sacristain, figurez-vous. Il était sacristain, ce garçon. Et j'allais à la messe, puisqu'on y allait tout le temps. Et après la messe, il était resté tout seul, on était parti. Et moi, j'entre dans la sacristie, mais il ne me voit pas. Et je regarde, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de l'encens, des petits sachets, il les mettait entre les doigts. Et il faisait ça. Comme ça. J'ai bien regardé. C'est ça qu'il faisait là-bas. Mmh. On ne voyait rien. Voilà. Il était comme ça. Oui. Il faisait ça. Ah oui, parce qu'il avait les mains jointes en prière pendant sa vision. Oui, oui. Et en fait, il frottait ses mains et ça faisait une odeur d'encens. Sans que personne ne voie d'où ça venait. Quoi que ce soit. Ce n'était que ça. Mmh. Oui, c'est hyper simple, mais très efficace. Très efficace. Pour quelqu'un qui est croyant, pour quelqu'un qui veut croire très à cette apparition. Efficace. Ouais. Alors là, ma vie a basculé, mais disons que je n'y croyais plus à rien. Tu sais. Parce que vous, sur le moment, vous y croyiez. Je croyais parce que la famille croyait, je suivais. Je me dis, elle voit quelque chose, je ne sais pas, je ne pensais pas que c'était la Vierge. Surtout si elle avait ce visage d'extase, d'extase, ça doit être impressionnant. C'est ça, je disais, elle voit sans doute quelque chose. Mais déjà petit, hein, moi j'ai toujours été un peu scientifique,
Mais là, j'ai vu ça. Tu sais, j'ai tout de suite compris. Hein. Ouais. Et tout de suite. Hein. Alors moi, vous savez, j'ai rencontré, au début des années 2000, le père René Laurentin, qui est un prêtre qui est un très grand spécialiste des apparitions mariales dans le monde. Ouais. C'est d'ailleurs une discipline qui s'appelle la mariologie. Ouais. Et ce monsieur, j'avais été le voir parce qu'à l'époque, j'avais en projet de faire un film documentaire sur les miracles. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un expert au Concile du Vatican. Oui, enfin, il est vraiment. Voilà. Je le connais, Laurentin. Alors, c'était assez amusant de rencontrer ce monsieur dans son vieux bureau, tout vieillot, encombré de dossiers, dont certains étaient limite top secret, enfin, puisque chaque dossier, c'était sur des apparitions que lui avait pour travail de juger si c'était des vraies apparitions ou pas. Et comme on l'a vu, il y a quand même très peu d'apparitions qui ont été reconnues par le Vatican dans tout le monde. Et alors lui, il analysait à partir de documents, donc il essayait de trouver des points communs entre les différentes apparitions, celles qui lui paraissaient valables parce que les documents paraissaient authentiques, parce que les témoignages ressemblaient à d'autres témoignages qui avaient été validés. Et puis il avait aussi tout un arsenal, bien sûr, d'interprétations théologiques. Et à l'époque, il m'avait parlé d'un lieu d'apparition qui est beaucoup plus récent, celui-là, qui s'appelle Medjugorje, qui est en Bosnie-Herzégovine. Et lui, il était plutôt favorable, plutôt bienveillant vis-à-vis des apparitions de Medjugorje, qui sont très controversées, parce qu'il y a tout un micmac politique autour de ces trucs. Un micmac de tacho. Oui, parce qu'il y a les évêques du coin qui veulent, certains, les franciscains, et je crois, veulent le reconnaître. Il y a aussi le fait qu'il y a des photos où on voyait les trois voyants. Et tous la tête, en suivant exactement la Vierge qui disparaissait, et ils suivaient la ligne de la Vierge très clairement. Oui, donc ils avaient tous le même mouvement au simultané. Mouvement. Mais ça ne veut rien dire, rien du tout. Hein. Oui, bien sûr. Mais ce qui était intéressant, parce que quand je discutais avec lui, il nous parlait un peu de ses critères, en fait, à lui. Alors, avec Medjugorje, ce qui est particulier, c'est que comme ce sont des apparitions récentes qui datent à partir des années 80, il y a des vidéos. Donc il y a des gens, effectivement, il y a des traces où on peut visionner, mettre au ralenti, etc. Il nous les a montrées, d'ailleurs. Et encore une fois, ce sont des enfants et des ados. Ils sont assez nombreux, hein, d'ailleurs, mais il y en a qui sont principaux. Donc vous dites trois, je ne me souviens plus exactement du nombre. Et ils tombent à genoux tous en même temps, comme pareil que ce que vous décrivez chez vous. Et après, ils ont cette vision. Et effectivement, lui, il utilisait ces vidéos, en fait, pour décrypter. Alors, je suis repartie de chez lui, d'ailleurs, avec des CD, à l'époque, d'une autre apparition, d'une jeune fille de 15 ans, je crois, qui avait des apparitions dans un autre pays, je crois que c'était en Pologne. Donc, il étudiait tout ça de très, très près. Et, bon, manifestement, il y croyait vraiment. Oui, Laurentin y croit. Je regrette, il y croit. Oui, mais... c'est clair, c'est un prêtre, et spécialiste de la question. Il y croit, mais il est à côté de la plaque. Enfin, je comprends pas ces gens. Parce qu'on est quand même devant une humanité où on a changé. La connaissance scientifique actuelle est très différente d'avant. D'ailleurs, les gens deviennent un peu plus malins. Ils quittent beaucoup tout cela. Oui. Il n'y a plus de vocation religieuse, féminine ni masculine d'ailleurs. Plus tellement. Vous savez, pendant mon année, quand je suis sorti en 53 de rhétorique, en 53, nous étions, comme vous diriez, 40, mais il y avait 20, 25 qui allaient au séminaire. Ah oui. Ah oui. C'est incroyable. Ils allaient, incroyable. Il y en avait plus qui allaient au séminaire ou aux moines que pas. Dans les 25, certes, il y en a beaucoup qui ont quitté. Mais 25 ans après être sorti en 53, on s'est revus une fois et tous les deux ans, on se revoit. Mais, vous savez, ils ne sont plus, enfin, ils ne me l'ont pas dit, mais je vois bien qu'ils ne sont absolument plus croyants. Il y a beaucoup qui ont quitté les ordres, beaucoup, beaucoup. Mais ceux qui y sont restés, est-ce que vous pensez qu'ils croient toujours ou pas? À mon avis, la moitié ne croit plus. Il y en a deux seulement que je crois, qui croient encore. Deux. Et alors tous les autres, c'est fou là. On ne parle que de ça avec les copains, autres que les prêtres. On ne parle que de la façon dont on a été élevé et éduqué. On ne parle que de ça. Il faut pratiquer la résilience, c'est ça. C'est pas évident, vraiment. Alors j'ai rencontré ma femme, qui est encore pire que moi. Ce qu'elle a eu comme éducation, encore pire. Ah oui. Pire, et c'était une fille unique. Oui, mais alors là, c'est plus compliqué pour les filles, de toute plus façon. Plus compliqué, fille unique. Qu'est-ce qu'il y avait de pire? Il y a pire déjà qu'elle était unique. Parce que moi, on était quand même cinq, quatre, enfin, à ce moment-là. Et je sortais, je partais, quand il avait fini avec un, il avait l'eau. C'était dispersé, et que
Mon père, il avait un commerce où il était beaucoup pris, donc ma femme était toute seule. Un exemple, pour vous dire, elle m'a dit pendant 30 ans, vous pouvez lui demander, tous les jours, moi, en me mariant, j'ai trouvé la liberté. Ouais. 30 ans. C'est incroyable. Incroyable. Mmh. Et à côté de chez elle, il y avait une école communale. Mmh. Une très belle école, avec un instituteur comme ça, qui allait à la messe, mais qui était instituteur dans une école de laïque. Mmh. Mais qui pratiquait, qui tout. Elle n'a pas pu aller à l'école là à côté. Elle a dû faire pendant je ne sais combien d'années à pied 5 km aller, 5 km retour pour revenir, pour aller à l'école chez les béguines, chez les religieuses. Je dis toujours aux jeunes, vous ne saurez jamais comment on a été élevé. Jamais. Mais heureusement que vous pouvez nous en raconter un peu. Oui, c'est ça, toujours le sectarisme. Ne pas pouvoir parler avec un type qui était soi-disant laïque. On ne pouvait pas lui parler. Oui. Mais surtout, ce que j'ai souffert, c'est surtout qu'on m'a volé tous mes bouquins, qu'on m'a volé mes lettres, parce que je ne parlais pas la valise. Oui, c'est vraiment un viol de l'intimité. Et puis empêcher à la personne de se développer intellectuellement. J'ai été marqué de ça. Hein. Ouais. Et mon autre frère, le deuxième, était bien pire que moi. Moi, c'est encore été, j'ai encore été un privilégié, parce que je pouvais sortir, aller au scout, et surtout faire mes spectacles de magie. Mon père ne m'empêchait pas, ce qui est unique. Vous avez commencé à quel âge, ça? J'ai commencé au Louveteau. À faire de la magie? La magie. Mon premier spectacle, mais 10 minutes, hein, pas long, a été au Louveteau. J'avais trouvé la façon de faire disparaître une pièce de monnaie. D'accord. Et mes petits copains ne le voyaient pas. Et ce tour-là m'a vraiment lancé dans la magie. Alors mon père, qui ne me détestait pas, qui nous aimait bien quand même, mais borné quoi, hein, mais il nous aimait bien, pour me faire plaisir, m'a acheté en primaire, parce que ça existait déjà à mon époque, donc pendant la guerre, un jeu de magie. Et dans ce jeu-là, il y avait les fameuses boules Excelsior, vous ne connaissez sans doute pas, les boules rouges. Et c'est grâce au jeu que j'ai pu faire un petit spectacle. Donc c'est avec cette boîte de magie que vous avez commencé à prendre des tours. Oui, à prendre des tours. Et cette histoire de pièces de monnaie, c'est vous qui l'avez inventée? Non. Vous l'aviez vue? Je l'ai vue, je l'ai lue. Il y avait des revues comme il y a maintenant. C'était la revue d'Averbeau, je crois, quelque chose comme ça. Et dans cette revue-là, j'avais vu ça, à 8 ans. C'est pas mal, je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de le faire. Mais ça, la magie m'a donné incontestablement beaucoup de bonheur. Oui. Au Louveteau, vous faisiez des spectacles. Des spectacles. Au collège, j'imagine, vous deviez aussi bien vous amuser. Énormément. Ça m'a donné beaucoup de joie, c'est vous, parce que j'étais le caïd, si vous voulez. Ben oui. Et on m'appréciait à cause de ça. Encore maintenant, oui, j'imagine. On m'apprécie. Et comme je le disais, je suis certainement en Belgique, non pas parce que je suis le plus malin, mais c'est parce que je suis le plus vieux, quoi. Celui qui a fait le plus de spectacles. Ouais. Je fais beaucoup de spectacles. J'ai un moment ça vous a jamais quitté? Jamais. J'ai fait de 18 ans, 18, à il y a 5 ans, juste avant 80, j'ai fait un spectacle toute la semaine, toute la semaine, toute la semaine. Ouais. Et j'ai été depuis 1967 à tous les congrès magiques d'Europe. Donc j'ai été au congrès international, au congrès français, je faisais 2 ou 3 congrès par an. Mais alors du coup, à partir d'un certain moment, j'imagine, vous avez pris des cours, comment vous avez fait pour progresser en magie à l'époque, au début? Je connaissais un marchand de trucs à Bruxelles, et j'ai été chez eux, j'ai acheté des trucs là sans aucune connaissance, je leur demandais de m'expliquer ça. C'était des magasins de magie ou oui, c'était... de magie, ouais. Oui. Et j'avais été aussi en voir un autre. Et puis par ça, j'ai pu aller dans un cercle de magie. Et puis une fois qu'on est dedans, on apprend beaucoup de tout. Et puis dans les congrès, vous apprenez tout. Dans les congrès magiques, c'est vraiment féerique. C'est extraordinaire, les galas fantastiques de magie. Et maintenant, il n'y a réellement aucun tour qui m'échappe, savez-vous. Ah oui, vous les connaissez tous. Tous. Que ce soit mais ça évolue, il y a des nouveaux tours aussi, non? C'est vrai qu'il y a des nouveaux tours, mais je le sais, je le suis. Par Internet, je reçois, je commente encore des tours, maintenant que je sais qu'ils ne me serviront pas. Ouais. J'ai donné des conférences à droite et à gauche, beaucoup. Ouais. Et alors tout ça, c'était en parallèle de votre vie professionnelle? Ah oui. Donc c'était une passion, mais à côté, vous aviez un métier. Un métier. Alors vous avez étudié après le bac? Vous étiez bachelier en philosophie? Oui, après le bac. Vous avez été à la Cato à Paris? Oui,
Exactement. Vous savez alors, ça, vous oui, je sais ça. Je me suis documentée. Je sais tout de vous. Oui, donc j'ai fait de la philosophie, puis après j'ai été à l'Institut catholique de Paris compléter ça. Pour faire de la philo aussi. Oui, philo. Ça restait dans un institut catholique. Encore. Hein, donc vous continuiez. Ouais. Enfin, je veux dire, vous aviez beau vous rebeller, vous étiez conditionné pour aller dans cette direction-là. Oui, mais j'ai rué dans les brancards bien souvent. Mais enfin. Vous critiquiez là-bas? Ah oui, 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 oui. Les profs? Ah oui. Je disais que c'est pas comme ça que ça doit aller, je regrette. En mettant des gants, parce que malgré tout, on est quand même sur une chaise, il y a un terme pour dire ça. On est quand même... Sur un siège éjectable. Voilà. Puis il m'appréciait. Pourquoi est-ce qu'il m'appréciait aussi? Mais je vous assure, c'est à cause que j'étais magicien. Oui. J'étais magicien. Parce que ça vous rendait sympathique. Ah oui. Ça me rendait sympathique et les gens appréciaient. Qu'est-ce qu'on m'a dit, par exemple, après un spectacle? Mais souvent, c'était le plus beau hommage que je pouvais avoir. Écoutez, je n'y comprends rien. Vous m'avez donné... Ce mot-là m'a été dit souvent. Vous m'avez donné du rêve. Beaucoup de rêves, et je vous en remercie. Qu'est-ce qu'on m'a dit ça? Parce que je fais des tours extraordinaires, tu sais, on m'a dit, il ne faut pas croire, pas des petits machins, des tours extraordinaires. Alors, voilà. À l'issue de vos études, qu'est-ce que vous avez fait? À l'issue de mes études, j'étais à l'Institut Saint-Albert, où on m'avait dit, une place en attendant, comme ça tu pourras gagner ta vie. J'étais donc économe secrétaire. Et j'ai essayé de commencer à faire les études à la Louvain. Essayer, mais faire deux choses en même temps, ne pas assister aux cours, ça ne va pas. Ah, oui. Ça ne va pas. Et alors, c'était quoi les études que vous aviez choisies? Je voulais faire la licence en sciences physiques. D'accord. J'ai mal manœuvré. Mon père les aurait peut-être bien payés, hein, mais je ne sais pas, je râlais un petit peu. Et alors j'ai dit, je vais payer mes études moi-même. J'aurais dû dire au père, tu dois me payer les études, tu dois le faire, et il me l'aurait fait. Mais je ne sais pas, il y avait beaucoup de choses qui me mettaient, c'est moi qui ai mal manœuvré. Vous étiez un peu rebellé contre votre père, vous ne vouliez pas dépendre de lui. Par exemple, et j'ai regretté toute ma vie, hein, ça j'ai regretté. Et donc vous avez été économe toute votre vie? Oui. D'accord. Toute ma vie. On m'a dit, reste encore un an, puis un an, puis un an, puis un an. Et voilà, j'y ai été toute ma vie. Parce que j'avais aussi la possibilité de faire mes spectacles, j'avais les congés et je pouvais aller dans les congrès. Oui, il y avait d'autres choses qui vous motivaient. Oui, oui. Vous avez été aussi professeur de religion? Oui, au début, la première année quand j'étais encore à Virton. C'est pas mal aussi ça. Oui, c'est étonnant. Oui, étonnant. Ouais. Et je n'y croyais déjà plus à toute leur histoire, mais je pouvais gagner ma vie, faire ça. Et alors je l'ai fait à Isel et à Libremont. J'étais là et puis je ne pouvais plus rester enseigner des trucs auxquels je ne croyais pas. Je ne pouvais pas enseigner que s'il y avait un Dieu, par hasard, un Dieu infini, et nous nous sommes finis, je ne pouvais pas enseigner qu'un Dieu infini avait un fils. Ça ne me dit, parce qu'on disait que le Christ était le fils de Dieu. Et ils l'ont enseigné, ils ont brûlé des gens qui n'ont pas voulu le reconnaître. Je ne pouvais pas le... enseigner, puis je suis parti. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez été économe toute votre vie dans cette école, qui était donc une école catholique. Ouais. Donc vous êtes resté dans un cadre catholique toute votre vie professionnelle. Toute ma vie. Et ma femme aussi. Ouais. Et pourquoi je n'en suis pas sorti? Parce qu'on n'en sort pas comme ça. Je n'ai pas eu le punch. C'est ça. Je n'ai pas eu la force de blackbouler et tout, et carrément foutre là-bas, rien que ça, et dire à mon père, tu payeras mes études, et puis c'est tout. Ouais. Je n'ai pas eu ça. Ouais. Mais on peut le comprendre, hein, vu l'histoire personnelle, familiale, l'éducation, ça a son poids, ça a son importance. Je n'ai pas eu le punch. C'est fini, et puis c'est tout. Quoi. C'est quelque chose qui vous perturbe encore aujourd'hui. Oui, mais heureusement que j'ai eu la magie, tu sais. Oui, j'imagine. Heureusement. Ouais, j'imagine. Parce que la magie m'a donné beaucoup, beaucoup de satisfaction. Je me rappelle, il y a 35, 40 ans, je n'ai plus été à la messe. On m'a dit, parce que tu ne vas pas à la messe, c'est pourquoi tu ne vas plus, etc. Je ne voulais plus, déjà, quand j'ai eu mon fils, qui a 54 ans, je n'ai pas voulu, quand il était petit, faire sa communion. Je ne voulais plus, je commandais déjà. Le scandale. Quel bazar.
lequel, bah, tu vois, on n'est pas libre, on le croit. Il aurait pu certainement casser tout le bazar, c'est-à-dire rompre avec la famille, rompre avec les amis, rompre avec ceci, aller à l'école de l'État où il m'aurait sans doute pris. Mais ce n'est pas des vies. Hein. On n'est pas libre. C'est maintenant, bien, beaucoup mieux maintenant. Parce que maintenant, je vois bien, les profils ne vont pas à la messe, c'est fini. Mais à mon époque, quand je suis entré, il fallait y aller. La liberté à mon époque, alors qui disait qu'on était libre, ça c'est le con. Ce n'était qu'une illusion du langage. En fait, j'ai même fait la communion. J'ai fait la communion, mais je n'ai pas fait la fête. J'ai voulu inviter personne. Pour votre fils ? Oui. Quelle histoire. Quelle affaire. Oui, il y avait une pression sociale immense, quoi. Immense. Et j'étais un homme. Les femmes, ma femme ne voulait pas en sortir. Ah ben j'imagine. Elle n'a jamais pu en sortir. J'imagine. Jamais. Elle ne veut plus parler de ça elle-même. Moi, j'en parle encore avec les copains. On rigole quand je prends un verre de vin. Corpus Christi. On rigole. Le blasphème, oui, blasphème. Ultime. Oui, blasphème. On blague avec ça. Mais alors, vous avez toujours dans cette veine finalement religieuse, vous avez aussi beaucoup joué avec les esprits, vous, hein, dans votre histoire personnelle. Oui, on y Et ça. Aussi assez tôt. Donc racontez-nous ça. Parce que j'avais vu, avec les apparitions de la Vierge, pour moi, ça a été une révélation de voir ce type qui faisait croire que les anges encensaient l'Église, et c'était lui. Et puis il y avait des spirites, et je dis, je vais faire quelque chose. Je vais faire comme eux. Et c'est vraiment pour ça que je l'ai fait, hein, pour voir jusqu'où allait la crédulité humaine. Et à 18 ans, j'ai commencé. Donc ça veut dire que dans votre entourage, il y avait, le spiritisme était quelque chose qui se faisait pas mal. Oui, chez des amis, oui. Chez des amis, vous aviez entendu parler de ça. Oui, oui, oui. Très concrètement, je l'ai découvert parce qu'à 18 ans déjà, je lisais des livres quand même de magie. Hein. D'accord. Et dans les livres de magie, on parlait de ces histoires-là. Mais pour critiquer le spiritisme, les magiciens ont toujours critiqué les choses et je trouvais ça bien. Et comme il y avait eu les apparitions, je me disais, c'est du même genre. Les gens croient n'importe quoi. Et alors, je savais qu'il y avait une table que j'ai commandée à 18 ans. Ah oui ? Elle est là, oui. Quel culot j'avais. J'ai commandé ça aux États-Unis. Et ils me l'ont envoyée à 18 ans. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette table que j'ai devant moi, là ? On peut faire avec cette table plein de choses. Elle peut voler dans l'espace, disparaître, elle peut tourner, enfin, elle peut faire beaucoup de choses. J'ai fait avec cette table-là plein d'histoires. Alors, juste par rapport à votre expérience, donc ça a commencé par la lecture de livres de magie qui vous ont un peu donné des informations sur le spiritisme. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez assisté à des... À Beaurain, j'ai assisté à des histoires comme ça. Des séances de spiritisme ? Oui. En tant que public ? Oui. Qu'est-ce que vous avez vu alors à l'époque ? Je me rappelle de la première, il y avait un type qui disait « Esprit, es-tu là ?» Et alors il touchait la table, et la table, instable, elle était instable. D'accord. Et quand il poussait, elle faisait clac, clac. Parce que si on dit un coup c'est oui, deux coups c'est non, et elle faisait ça. Et alors tout le monde trouvait ça extraordinaire. Mais je dis, mais c'est con, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. La table est en position instable, et le type là, on ne le voit pas, mais c'est clair. Il fait clac et clac. Et alors on demande à l'esprit... qu'il était, etc. Est-ce que je reverrai ma mère ? Et alors il répondait oui ou non, c'est tout. Ça, c'était la première. Et alors ce que j'ai vu après, c'était une histoire aussi où la table tournait, on mettait sa main à la tête, elle tournait. C'est plus impressionnant, ça, déjà. Oui, c'est déjà plus impressionnant. Elle tournait, mais avec les mains dessus, hein. On suivait. Les mains de, oui, des participants, des gens, en fait. Oui, ils tournaient, ils tournaient, ils suivaient. Et le type disait lever la main et la table suivait les mains. Ça, je faisais. Donc elle se soulevait dans les airs. Oui. Et alors après ça, il posait aussi des questions. Alors c'est clac, clac, c'est toujours comme ça. Et alors ce que j'en ai vu beaucoup pour les coups frappés dans les murs, parce que l'esprit répondait toujours par un coup. Oui. Oui, deux coups, non. C'est comme ça. Ce qui est assez drôle, c'est que l'esprit, quand il n'est pas là, répond. Il répond non. Oui, il répond. Il répond qu'il n'est pas là. C'est ça qui est drôle. Il est trop près. Alors, il y en a aussi que j'ai vu. Là, c'est toujours de plus en plus perfectionné. Il demandait, esprit, es-tu là ? On entendait dans la table, comme ça, esprit, es-tu disposé à nous parler maintenant ? Ça, j'ai vu, c'était déjà beaucoup plus perfectionné. Je me souviens d'une histoire, un type me dit, viens... Viens à cette histoire-là, tu vas voir, c'est pas comme tu dis, c'est beaucoup mieux que ça. Viens voir, tu verras, les coups sont tapés dans les murs, il n'y a pas de fraude, il n'y a rien. Viens.
Alors j'étais avec lui, je relevais tous les choses. Et le type présentait bien. D'habitude, il ne présente pas toujours très bien, c'est le médium. Lui, il présentait bien, ça allait. Mm-hmm. Puis on va parler avec un défunt, il y avait toute une ambiance. Alors on va parler, par exemple, d'un défunt des gens. On va lui poser une question. Et il disait que l'esprit va répondre par un coup. Mm-hmm. Et si c'est non, deux coups. D'accord. L'esprit est là. Je l'ai fait venir, il est dans la pièce parce qu'il avait fait quelques petites histoires avant. Qui es-tu ? Es-tu Victor Hugo ? Dans le mur ? Non. Es-tu James Dean ? Non. Es-tu Rosa ? Un coup, oui. Ah. C'est oui. Alors, es-tu vraiment bien là où tu es ? Un coup, deux coups. Donc il y avait un langage. Et moi j'ai été étonné parce que je regardais, je sais que c'est par les pieds très souvent que les coups sont tapés dans le mur. D'accord. Tu claques avec le pied, c'est une question d'entraînement. Tu sais, sur coups. Le sol ? Sur le sol, en général, en bois ou en système. Avec le pied, et je ne voyais rien. Et on le voit, tu sais. On voit très bien que le pied bouge quand il claque très fort. D'accord. J'avais rien vu. Il dit, c'est bizarre. J'étais déjà très sceptique à ce moment-là, je n'étais pas marié. Alors je dis rien, je regarde derrière, il y avait une porte ouverte. Sans rien dire, je recule doucement, je sors par la porte, une intuition. Je monte des escaliers qu'il y avait là, et j'arrive au-dessus. Je passe ma tête, qu'est-ce que je vois juste au-dessus de la pièce ? Un gars avec un bois, et quand on entendait très fort, « Es-tu un chou ?» Tchac, il tapait comme ça. Il tapait au plafond de la salle. Oui, au plafond. Il tapait sur le plafond, un coup ou deux coups suivant ce que lui pensait. Et tous les gens trouvaient ça extraordinaire. Oui, mais en même temps, vous dites que c'est des coups qu'on entendait dans les murs. Ben oui, mais parce que quand tu tapes dans le plafond, ça peut avoir un effet, avoir l'impression que ça vient du mur. Par écho ? Oui, par une illusion. Ou par transmission de son oui. Solidien ? Oui, une illusion du mur, ça dépend où tu es. Ça dépend l'endroit. Oui, j'ai fait des illusions dans les murs, comme ça. Très fort dans les coups au début. On croyait que ça venait du mur et ça ne venait pas du mur. D'accord. Ça ne vient pas de là. Pas à chaque fois, mais tu peux être dans une autre maison et ça ne fera pas cet effet-là. Oui, il faut bien connaître la pièce. Oui. Ouais. Et alors, je redescends, l'air de rien. Je ne dis rien, j'aurais pu dire, mais tu es un con, qu'est-ce que tu as trompé les gens. Je ne dis rien. C'est clair, vous auriez pu casser la baraque. Oui. Alors, je rentre, l'air de rien. Et alors, le copain, après tout le bazar, il me dit, tu vois, c'était formidable. Alors, je lui dis, écoute, je suis sorti. Ah oui, en effet, j'ai vu que tu sortais. Là, ce que j'ai vu, c'était mon copain. C'est à peine s'il voulait le croire. Mmh. C'est à peine s'il voulait le croire. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Pour approfondir les sujets qui viennent d'être évoqués, je mets à votre disposition des ressources sur le site metadechoc.fr, notamment un lien vers un documentaire édifiant sur l'endoctrinement sectaire des SS dans l'Allemagne des années 30. Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir fait un don pour que cette émission humble et superbe vive. Merci beaucoup. Et à vous qui souhaitez aussi apporter votre pierre à l'édifice, vous pouvez suivre le lien vers Tipeee dans la description. La semaine prochaine, vous découvrirez comment Jean Champenois est passé maître en manipulation mentale et ce qu'il a fait de ce pouvoir. On se retrouve vendredi à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.